soit des avis contradictoires, soit. Les conditions dans lesquelles on a supprimé le vaccin DTP-polio sans aluminium sont des conditions étranges et qui laissent suspecter une manœuvre pour des raisons que l'enquête déterminera, peut-être des raisons économiques. Ce sont des patients qui ont des symptômes à type de douleur musculaire articulaire, une fatigue extrêmement prononcée et des troubles cognitifs, troubles de mémoire, de concentration, d'attention. Donc chez ces patients, ce que l'on observe, c'est une persistance anormalement prolongée de l'adjuvant dans l'organisme. La majorité d'entre eux sont en arrêt de travail prolongé ou en invalidité dans les 5 ans qui suivent le début des symptômes. C'est un peu comme un état grippal, vraiment une fatigue très très lourde avec des douleurs comme des courbatures. Des fois, ça peut être type de brûlure ou l'impression que les os ils implosent. Mais des douleurs du matin au soir, hein, ne vous quittent jamais. Après, elles sont plus ou moins fortes. Ma vie a basculé à partir du moment où j'étais vaccinée. Je n'ai jamais été malade jusqu'à mes 19 ans. Du jour où j'étais vaccinée, tout a basculé.